monde, c'est Mike Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Cette fois-ci, la partie 2. Est-ce que vous vous souveniez précédemment? Nouveau test, on a changé de paramètre. Ça passe droit à se délire là. C'est plein de trucs là, avec la GoPro, avec tous les trucs. Ça fonctionne, mais toujours pas. Donc je vais aller dans une autre pièce pour voir si c'est facile. Oui, oui, en effet, j'avais fortement galéré à faire fonctionner tout simplement les micro-cravates. J'ai fait pas mal de recherches. Il y avait sûrement besoin d'un adaptateur micro. Du coup, j'ai bien pris port jack, prise USB-C sur prise USB-C. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Je l'ai commandé. Il est juste ici. J'ai reçu le colis juste aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai commandé d'ailleurs sur un nouveau site internet GSM55. On va voir si leurs produits sont plutôt bien. Hein. On va voir, on va voir. Sur ce, c'est parti, on va ouvrir le colis. Un adaptateur audio USB-C vers double jack, 3,5 mm, casque plus micro. Donc adapté que ce soit pour les casques gaming, tels que ça. Et les micros, tels que des micro-cravates, etc. Donc au prix de 25€. GSM55, au niveau des livraisons, c'est fiable, je peux vous le dire. Le colis, on va le voir tout de suite. Donc ça ressemble à ça, je l'ai directement en main. Voilà. Le câble n'est pas très long, mais on va le tester tout de suite. Donc on va juste dessus, type C, Shadow Audio, Dual Channel, Link. Donc micro, enceinte, casque, je vous le montre directement à l'écran. Voilà, vous le voyez. Putain les gars, j'ai vraiment trop le seum si ça fonctionne pas. Hein. Donc là, on a directement le produit en main. Juste ici, hein, vous le voyez directement dans ma main. Donc ça ressemble à ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la prise USB-C qu'on va directement du coup brancher à la caméra, qu'on peut directement aussi brancher sur le téléphone. Et juste là, on a deux ports de sortie. Donc on a le port de sortie casque et le port de sortie micro. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le micro. Je suis vraiment stressé, les gars. Je suis vraiment stressé. J'ai vraiment peur que ça fonctionne pas. En plus, ça coûte 25 balles. Hein. Rien que ça, ça coûte 25 balles, va. On va directement allumer ça. Voilà, on va le brancher. On va connecter directement le micro via ça, donc ça clignote. Les deux sont connectés. Hein. Et il n'y a plus qu'à brancher ça, là on veut que ça enregistre du son. Donc on va voir sur le téléphone, mais je pense pas que ça fonctionne. Je ne veux pas être défaitiste, mais la dernière fois ça n'avait pas fonctionné. Donc là on va le brancher directement. Voilà. Là c'est bon, on est d'accord, hein, c'est branché. Donc c'est parti, un moment de vérité, moment de vérité. Moment de vérité, moment de vérité, on va voir si ça fonctionne. On a la GoPro qui filme juste derrière. On va caler le téléphone comme ça. Et puis on va parler de loin pour voir si ça fonctionne bien. Putain les gars, je suis sûr ça va pas fonctionner là. J'ai quand même payé ça 25€. Hein. 25€. Officiellement, ça ne fonctionne pas. Je viens de visionner la vidéo, ça ne fonctionne pas. Et on va essayer sur la GoPro, mais là je vais vraiment m'arracher les cheveux. Hein. En plus, vous avez vu comment ils sont longs? Il y a de quoi? Non, je rigole. J'ai vraiment peur du résultat qu'il va y avoir. On va croiser les doigts. De toute façon, faut essayer. Bon, je suis pas sûr que ça ait fonctionné. Pour voir, on va essayer un truc. Parce qu'on va déjà se mettre là, en parlant vraiment doucement. Et on va mettre des petits coups sur le micro, mais doucement. Parce que ça, une chose est sûre, ça s'entend pas à la caméra. Si ça fonctionne pas, il y a un problème. Bordel. On va essayer de voir un peu la différence et s'il y a une différence de son. Là, normalement, c'est sûr et certain. Le micro marche. Donc, je vais aller ailleurs. De toute façon, ça peut aller jusqu'à 20 mètres. Et on va voir si ça fonctionne, tout simplement. De signal de la part de la GoPro. On va voir si le son est bon. Là, en toute logique, là, on vient de le brancher dans l'adaptateur, donc le micro directement qui vient du fil du casque. Et on va pouvoir voir directement. Donc là, j'ai directement branché à la GoPro via le prise USB. Donc là, il n'y a pas d'excuse. Hein. L'adaptateur est directement là. C'est branché dans l'audio micro. Si ça ne marche pas, comme je vous l'ai dit, on mettra le casque. Et donc là, c'est directement intégré avec le fil juste ici du casque, donc juste là. Voilà, bah là de toute façon on voit pareil notamment dans les deux vidéos.
Voilà, voilà, donc on va regarder directement le résultat et j'espère que c'est bon. Et si ça fonctionne pas, ben soit la GoPro a un problème, soit c'est l'adaptateur de con de sa mère. Selon la caméra embarquée, il suffit de glisser l'adaptateur micro dans son support. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de pute ? Bah c'est exactement ce qu'on a fait, hein. Là on a un adaptateur micro, on l'a branché à la GoPro, et on a essayé avec le micro-cravate, on a essayé avec ce micro. En fait, il y a vraiment un souci, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas ? Est-ce qu'il faut un adaptateur micro spécial GoPro ? 2000 years later. Grosse déception. Grosse déception, je sais pas quoi vous dire. Franchement, la vérité, je sais pas trop quoi vous dire. J'ai testé au montage, donc j'ai visionné la vidéo directement sur mon ordinateur. Et j'ai constaté qu'il n'y avait strictement aucune différence entre tout à l'heure lorsque je faisais la vidéo avec micro-cravate et sans micro-cravate. Notamment quand je me mettais loin et que je parlais, normalement on était censé bien mieux m'entendre. Je suis vraiment déçu, ça ne fonctionne à nouveau pas. Mais, je n'ai pas dit mon dernier mot.